sécuritaire. Dans son discours, le chef de l'État, il y a 2, 3 jours, mardi dernier précisément, en recevant le roi de Bahreïn, dans son discours, il a répété à plusieurs reprises, il a souligné l'importance de former des forces arabes conjointes de manière à faire face à tous les dangers en général susceptibles de porter atteinte à la nation arabe. Pour nous donner un aperçu stratégique, militaire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir le chef d'état-major Magdi Chahata, qui est analyste militaire et stratégique. L'entretien va se dérouler en arabe et notre collègue Nahla Hghazif a assuré l'interprétariat simultané. Monsieur le général, bonsoir et vous êtes le bienvenu avec nous. En vérité, on avait remarqué depuis 2 jours dans le discours prononcé par Monsieur le Président de la République quand il recevait le roi du Bahreïn, il avait assuré à plusieurs reprises la nécessité et l'importance à lutter contre toutes les formes de dangers, les dangers et le terrorisme, incluant les nécessités d'avoir une force arabe conjointe et commune afin de lutter contre le terrorisme. On espère ajouter la lumière sur ce point et à quelle mesure il y avait des menaces pour la région. Il y avait une certaine concentration dans des périodes récemment par le président de la République et par les commandements politiques d'une façon générale et par l'État d'une façon générale également, la concentration sur les situations sécuritaires. Ce n'est pas seulement au niveau du pays et au niveau du pays, il y avait les mêmes problèmes en Bahreïn, en Syrie, en Irak. Ces problèmes sécuritaires existent au niveau de tous les pays arabes d'une façon générale, n'excluant pas aucun pays. C'est pourquoi le commandement politique assure et répète à plusieurs reprises la nécessité d'affronter ces problèmes sécuritaires, soit aux formes singulières ou en coordination ensemble, et c'est plus préférable parce que la force terroriste ou les ennemis organisent eux-mêmes et ils se mouvementent à l'intérieur des pays et se mouvementent d'un pays à un autre. Daesh est à Syrie et à part s'est déplacé en Syrie et en Libye également et part se mouvement à un autre côté. Donc c'est une force mouvementée, on ne peut pas l'affronter d'une façon singulière. On doit avoir une certaine coordination, construire une force commune conjointe. C'est l'exemple et la solution le plus exemplaire pour affronter cette force d'ennemis. Ça a besoin beaucoup de coordination et de temps parce qu'il y avait quelques pays, il y avait des différences, certaines divergences entre les points de vue. Il y avait plusieurs préparatifs d'une façon technique ou de l'aspect technique. Les intentions existent, mais la manière avec laquelle on peut traduire ce projet d'une façon pratique, ça avait besoin d'une volonté arabe au niveau de tous les pays arabes, c'est très important. Coordination poursuivie et préparation également pour de longues périodes dans le futur. En vérité, on parle en ce qui concerne Daesh et l'habitude, on disait Daesh, mais on surprend qu'il y avait des étrangers et des éléments étrangers occidentaux qui s'adhèrent à cette force. Aujourd'hui, on écoutait qu'il y avait une famille italienne, père et mère, et deux enfants, 4 ans et 6 ans. Il allait pour s'adhérer à Daesh. Ce n'est pas logique vu d'une doctrine religieuse. Quel est Daesh ou quels sont les éléments d'attraction pour tout le monde entier? Est-ce que ce sont des gens qui ennemisent les sociétés? Si on avait analysé le phénomène du Daesh, comme un phénomène, c'est un phénomène qui représente une un certain refus psychologiquement. C'est un certain refus psychologiquement, quelqu'un qui veut se contredire d'une façon générale. Il les choisissait d'une façon technique, médicale, psychologique. La médecine psychologique joue un grand rôle dans ce sujet. Il y avait également beaucoup de séditions matérielles et idéologiques. L'idéologie, c'est le plus facile. Mais avec le
côté matériel, bien, bon, qui n'est pas mal. Par exemple, les gens qui veulent avoir, par exemple, du bien et de l'argent, pour avoir de l'argent, c'est facile et clair. Il y avait un autre comté qu'il essayait à travers les idées et les divergences pour attirer de divers côtés pour exécuter la même mission. Mais le pot se divers, il commence à collecter ses groupes et donner une certaine couverture légitime pour être une question juste. Et ces gens luttent contre une force oppressante selon les surnoms. Mais en fin de compte, c'est un pistolet ou c'est un couteau dans la main d'une force majeure qui a la gestion de toute cette force de mal. Ce n'est pas le problème. Mais le problème à ce qui est derrière tout ça. C'est pourquoi c'est très superficiel à se concentrer sur ces éléments ou ces membres, parce que l'élément primordial, ce qui est derrière cette force pour résoudre les problèmes du Daesh et ce qui est semblable de ces organisations terroristes qui croyaient qu'elles travaillaient pour l'intérêt d'une certaine question. Comment peut-on résoudre avec les organisations qui les orientent? C'est la lutte vraie et la difficulté vraie entre ces gens et cette organisation. Si en niveau mondial, on essaye de créer une certaine réconciliation dans la pensée pour que la lutte économique principale et primordiale dans le sujet de la lutte dans notre région, est riche par toutes les capacités, toutes les possibilités, toutes les ressources naturelles, les éléments de l'énergie, tout cela cause pour l'Occident et les pays européens qui se profitaient de ces régions beaucoup de problèmes comme l'immigration illégitime. C'est pourquoi l'Occident et la force occidentale doivent mettre bien en conscience que la coopération avec les pays arabes et le Proche-Orient et le développement d'une façon exacte, c'est la solution de leurs problèmes. C'est une conscience qui doit atteindre et que l'Occident doit comprendre bien cette conception. L'utilisation des conceptions vieilles d'une façon illégitime et d'une façon qui n'est pas claire et au profit du sionisme d'une façon générale, ce ne va pas être pour l'intérêt du monde, ça va être démolition pour la région qui va démolir le monde entier. Est-ce que sous l'ombre des problèmes qui se trouvent dans la région, est-ce que les pays de la région peuvent recevoir des demandes et des hypothèses de véhicules en appelant pour réaliser la paix dans la région? Est-ce que cela va être acceptable? Nous avons des exemples pour l'intervention militaire étrangère dont on doit prendre bien en conscience. Et on doit étudier cette expérience d'une façon bien consciente. Nous avons l'expérience américaine en Irak et on regarde, on jette un coup d'œil à l'Irak psychologiquement, économiquement, socialement. Il y avait démolition complète pour ce pays. En Afghanistan également, la même situation. Il y avait une intervention en Libye également, qui l'avait démolie, toute intervention étrangère, pas pour l'intérêt de la région. C'est pour l'intérêt de l'Occident. Le commandement arabe appelle à créer une force arabe conjointe pour résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Cela va jouer pour l'intérêt général, mais si ce fait est laissé pour l'autrui, accoutumant, ça va être, les résultats vont être très négatifs. C'est pourquoi votre question est très importante, qu'on résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Ça dure longtemps, ça dure, et il y avait des points de divergence également. On va avoir des difficultés, mais c'est pour l'intérêt public et l'intérêt général. On retourne une autre fois à l'Égypte. L'Égypte souffre et lutte sérieusement contre les tentatives nuisibles de l'intérieur et de l'extérieur. On accède à quel point, en ce qui concerne les dangers qui nous venaient des voisins et des frontières.
on souffre beaucoup depuis très longtemps et sévèrement, et on va souffrir encore. Mais grâce à Dieu, c'est un point vision générale. Les pourcentages de souffrance se minimisent, on oublie, mais on souffrait depuis très longtemps. Il y avait des points de danger pour l'Égypte, mais ça, tout est passé. Il y avait des périodes très difficiles. Mais ils sont passés et on va affronter encore depuis une certaine période dans un programme que je l'assiste, que le sujet va être plus facile et plus rapide. J'étais plus optimiste et je dépends sur prise de conscience plus grand et de vision par les gens plus grands et par les responsables également. Mais malheureusement, il y avait un bloc et un certain retard. Ce retard par nous à l'intérieur, mais vu d'une lutte et une guerre atroce et insistance par l'étrangère et des directions qui ont un intérêt que l'Égypte souffre beaucoup, ne s'incline pas seulement et n'est pas seulement à être faible, ils veulent mettre fin à l'Égypte. Tout le pays se finit, mais c'est un grand problème au niveau mondial. Aujourd'hui, il veut seulement que l'Égypte s'incline ou avoir une défaite et pas être fort, mais aujourd'hui, il y avait une tendance générale par l'Égypte et par toute la force arabe que l'Égypte ne s'inclinait jamais. C'est une guerre atroce, sévère. Il ne se démissionne pas et les appels contre le terrorisme, il y avait des pourcentages très effrayants par les temps des matières d'explosion et également les armes sophistiquées et qui traversent les frontières de l'Égypte. Il y avait une lutte très atroce et très grande par le peuple égyptien et par les forces armées égyptiennes, parce que si ça va être un certain secours pour les forces armées, mais la coalition du peuple égyptien dans cette période menait à une lutte vraie à minimiser cette influence. Comme vous regardez, quand les faits ne sont pas en état équilibre, en Libye, en Yémen, en Irak, c'est une lutte qui est poursuivie avec toutes les mesures. Ce n'est pas dans l'intérêt des pays ni de la nation arabe. L'influence des pays voisins, comme la Libye par exemple, il y avait plus de 400 000 groupes armés, il y avait de grande quantité d'armées. L'influence de ça, les problèmes en Soudan, les problèmes en Syrie et la situation actuelle depuis des années. Quelle est l'influence de tout ça sur l'Égypte actuellement et prochainement? C'est très influençant, même en Syrie. La situation en Syrie. Faites attention que la sécurité nationale, pas seulement de l'intérieur de l'Égypte, mais des frontières également. La Syrie, à travers, c'est la dimension sécuritaire également. La stabilité de la Syrie, c'est la stabilité de la région, parce que la Syrie, l'Irak, l'Égypte, le Soudan et l'Arabie saoudite également. C'est une grande force dans la région, la Libye également. Ce sont les côtés occidentaux, plus de 1000 kilomètres en outre. La région désertique, il n'y avait pas de couloir. C'est une région ouverte, plus les frontières orientales et les frontières au sud du Soudan, ce sont des frontières très dangereuses pour faire assurer ces régions. On a besoin des capacités et des possibilités surnaturelles. S'il y avait de dangers, il y avait une menace, les frontières soudanaises, il y avait beaucoup de problèmes dans ces frontières.
parcours et autres et autres. Plus des problèmes politiques, la Syrie n'est pas loin, est très proche de nous. Nous avons beaucoup de familles, beaucoup de parents de Syrie ici en Égypte. Ces problèmes se trouvent et sont très influençants également pour la situation actuelle. La poursuivie de ces problèmes va fatiguer les forces armées égyptiennes. C'est un grand souci que les forces armées égyptiennes succombent. Il y avait beaucoup de problèmes également. Si vous allez demander en ce qui concerne le cycle du développement, mais ça nous retarde dans le cycle du développement. On essaie tant que peu quand vous regardez. Mais ce sont des entraves et des obstacles très sévères. On doit jouer un rôle primordial, très nécessaire. Si les conditions s'aggravent en Libye, les menaces à l'intérieur, on essaie son intervention. Mais il y avait du temps, on doit avoir pour protéger nos frontières. Justement, on va intervenir dans des conditions, notamment il y avait des conditions et des événements suscitant qui nous provoquent. Il y avait une certaine intervention. On ne va pas rester négatif et dans des cas spéciaux, il y avait patience. On essaye de faire une certaine coalition, réconciliation ensemble parce que l'intervention n'est pas dans notre intérêt. On doit intervenir avec beaucoup de mentalité, avec beaucoup de compte, mais s'il y avait une influence sur ou sur les frontières, on va s'arrêter. Est-ce que les problèmes, les nouveaux problèmes qui subviennent dans la région, comme la Syrie, le Yémen, la Libye, est-ce qu'il y avait un certain recul pour la question palestinienne qui avait occupé la première poste comme une dimension stratégique sécuritaire pour l'Égypte? Où est la cause palestinienne si on la compare à ce qui se passe actuellement? C'est avec esprit et bien clair, avec esprit pour par qui? Par la force occidentale qui avait creusé l'entité sionite dans cette région qui sépare entre l'Occident et l'Orient, l'Asie et l'Afrique, des arbres en Occident et des arbres en Orient. C'est une place qui est mise d'une façon avec beaucoup de soin pour faire séparer le patriarcat arabe qui existe dans cette place-ci et qui commence à assurer qu'Israël avait de droits et avec l'époque et avec les événements, elle commence à regarder au Golan qu'il avait pris avec violation comme Nakba par exemple et Omer Ashraj et d'autres régions. Toutes ces régions, elle l'avait violé, il l'avait s'emparé avec de violence et avec esprit. Ça va être un droit à qui personne peut parler à travers les accords, à travers les questions. Elle a envie du Golan, un part du Sinaï. Donc, aujourd'hui, tant qu'on se préoccupe par des questions filiales, personne ne peut parler ou raconter en ce qui concerne l'entité sionite. Et les questions palestiniennes, les gens meuraient là-bas. Il y avait quand des fêtes pour les jeunes. Chacun se préoccupe par les questions intérieures. Nous préoccupons ici par nos questions à l'intérieur, le Yémen également pour les questions spéciales, la Syrie, l'Irak, la Libye, même en Tunisie, ils se préoccupent par d'un temps à l'autre par une bombe, une explosion, le Maroc, l'Algérie, le Mauritanie, il y avait une certaine préoccupation pour cette région poursuivie, pour essayer d'oublier les causes et les questions principaux pour s'entourer comme des pays arabes. Maintenant, on parle en ce qui concerne l'espoir pour le futur, le prochain, les investissements. On appelle le monde entier à investir chez nous, ici en Égypte. Mais les gens qui n'allaient pas en paire au Proche-Orient, qui ne se trouvent pas au Proche-Orient, s'effraient. Comment on essaye de créer un équilibre entre les menaces sécuritaires dans la région et créer en même temps des investissements dans la région? Il y avait des règles principaux pour les investissements ici, pour créer le développement et des investissements. On doit créer la stabilité, la sécurité, les lois économiques objectives. Parce que malheureusement, je ne suis pas spécialiste, mais je suis un citoyen égyptien. Selon moi,
mon expérience et ma vision et mes études. J'avais des études pas spécialistes, mais grâce à Dieu, dans ces sujets, je voyais que dans cette situation actuelle, c'est une situation d'études, de préparation, pour, c'est une vision pour le marché mondial, le marché dans un état qui n'est pas stable. Nous avons des capacités et des possibilités naturelles que notre bon Seigneur nous avait données, on doit les exploiter. On ne doit pas courir derrière les investisseurs après avoir fini les problèmes sécuritaires et les autres choses pour ouvrir la porte et donner l'occasion à tous les investisseurs à venir ici chez nous et pour investir toutes choses. Nous sommes dans un poste bien stratégique. Nous avons des vols, nous avons climat, main-d'œuvre, des couloirs aquatiques qui nous relient de l'Est et de l'Occident au Nord, au Sud. Nous avons toutes les possibilités, tous les éléments principaux. Ce qui nous manque, des petites choses pour colorier l'image, le temps le plus primordial, et c'est le temps actuel. Et le temps qui est le plus près, c'est le temps actuel. On doit se prêter pour être une force économique prometteuse. Nous ne sommes pas moins de Singapour, de Taïwan également, qui apportent des milliards. Ils sont dans des régions qui sont très difficiles. Monsieur le général, le chef d'état-major, Magdish Haït, je remarque que pour les pays du Golfe, ils ont des craintes, des points d'anxiété. On se met d'accord tout le monde. Ils ont des problèmes spéciaux en tant qu'essai de créer une force arabe conjointe et commune. Est-ce que cela peut attirer l'Égypte à entrer dans des problèmes dont on doit indemniser ces problèmes vu de la grandeur du point technique militaire ou du point économique, parce qu'il y avait des craintes dans les deux côtés. La coordination et la coopération poursuivies entre nous, c'est la chose la plus préférable dans cette période. On doit faire un système complet entre le côté technique militaire en tant que des Arabes. C'est la chose la plus qui effraie l'Occident et l'entité sionite. On doit être stable et on doit parler ensemble pour se mettre d'accord ensemble, parce que ça va nous donner une force arabe commune pour cette région. Si on construit une force arabe conjointe comme les entités européennes, comme tous les pays européens ensemble, comme les États-Unis, le Canada par exemple, ensemble, l'Union soviétique. Permettez-moi, je veux demander avec plus de détails les effets du Golfe contre l'Iran. Est-ce que l'Iran, quand l'Égypte forme le même danger, comme le même danger pour le Golfe, forme un danger pour le Golfe, elle forme également un danger pour l'Égypte. Ce n'est pas anxiété ou effrayé, mais ils ont peur du côté du Golfe, et la même histoire pour l'Égypte, parce que nous sommes le même étendu et notre sécurité également. Mais l'Iran, pas un par exemple, quelque chose sauvage qui nous effraie. De cette façon, on essaye de construire une force arabe conjointe, économique, militaire. C'est une entité, on doit être sur le même pied d'égalité avec l'Iran. L'Iran est un pays bien sophistiqué, développé, à une gigantesques ont des bases et des habitudes. Ils ne vont pas être plus pires que d'autres forces. Au niveau du monde, la Turquie également, on peut se profiter de la Turquie, mais on ne doit pas se profiter en tant que nous sommes faibles. On doit être sur le même pied d'égalité avec plus de coopération, plus de respect, une coordination sur le même niveau, pas au niveau
pas avec un pays qui est plus haut de nous, on ne va pas être frais, on ne va pas avoir peur, on va avoir plus de coordination. C'est une grande peur par la force du Golfe que, selon mon point de vue, ils ne comprennent pas bien ou comme il faut ou exactement. On va assimiler l'Afrique et l'Asie, on ne va pas avoir immigration illégitime, on va avoir une coopération au niveau mondial. C'est ça ce qu'on rêve. Mais est-ce que l'Afrique va accepter ça? C'est le problème. J'avais beaucoup de questions que je veux profiter de vous, mais malheureusement, notre temps est terminé. Le général, le chef d'état-major, Magdi Chhat, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, nous sommes parvenus au terme de notre rencontre. C'était le chef d'état-major Magdi Chhat, analyste militaire et stratégique. Je tiens aussi à remercier ma collègue Nahla Hghazi qui a assuré l'interprétariat simultané. Merci de nous avoir suivi. Très bonne journée à tous, très bonne soirée, bon week-end et à la prochaine.